Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. On se retrouve pour le suivi des Messieurs Barbarus. Alors ici, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution. Donc au début, on a toujours 4 ouvrières. Hein. Il y avait 2 nymphes blanches, toujours 2 nymphes blanches, mais il y a une nymphe qui est devenue bien jaune, bien colorée. Ça ne devrait pas tarder à naître. Donc, ça va faire un super plaisir. On compte aussi 4 larves en tout. Donc ça évolue bien tout ça. Et surtout le plus important, elle vient de nous répondre une méga grappe d'œufs. Ce qui prévoit un développement futur plutôt sympathique. Ça se développe tout bien tout ça, c'est sympathique à voir. Toujours un peu stressé. Bon, on voit aussi qu'elles ont commencé à aller dans l'aire de chasse, récolter quelques graines. Commencer à avoir la dalle. Normal, hein. Regardez-moi cette bête là. Voilà. J'ai hâte que tout ça commence à gambader un petit peu. Mais bon, toujours pressé au début, mais c'est normal. Toujours stressé de ouf, les messors. Voilà, pour ceux qui font que taper sur leur bureau, c'est vraiment pas l'espèce pour eux, parce que là, faut vraiment les laisser peinards. À la moindre vibration, il y a tout le monde qui s'affole. Mais le développement fait toujours plaisir à voir. Bon, là, pas trop l'occasion d'observer la récolte de graines encore. Ils ont dû faire ça pendant la nuit, pendant que je les regardais pas. Enfin, je regarde souvent, mais ah, j'ai pas vu du tout, du tout. Leur nouveau tube devrait pas tarder à arriver non plus. Comme ça, ils seront encore mieux. Ça devrait aller encore plus vite, puisqu'ils seront bien confinés. Là, pour l'instant, ils sont en tube de dépannage, on va dire. Mais bon, ça a pas l'air de gêner trop le développement. Ça a l'air de bien se passer quand même. Mais bon, elles sont toujours mieux dans un tube haut de gamme que dans un truc où il n'y a rien. C'est vraiment cette belle aire de chasse là, quand il y aura le tube qui va avec, ça sera du tonnerre. Voilà, tout le monde s'est calmé un petit peu. On commence à déplacer un petit peu tout, mais là, tout va bien. J'ai aussi reçu leur nouveau thermostat. Là, pour l'instant, je suis avec un truc de dépannage. On va pouvoir le voir ici. Alors, regarde, voilà, belle aire de chasse. Et là, on voit le petit thermostat à l'arrière. Pour l'instant, c'est du dépannage. Hein. Ça sert pas. Ça sert toujours. Hein. Comme ça, au moins, on voit qu'elle crame pas. Mais le thermostat qu'elles vont avoir, au moins il y aura tout qui sera régulé automatiquement, jour-nuit, et thermostat à 25, 27. Au moins, sûr que tout se passera pour le mieux. Il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la petite naissance qui va arriver. Et prenez soin de vous, ciao ciao.